My name is Jibrin Atiyahuda. I am the secretary, general secretary of the association. Here is located in Chad, and I was born on February 7, 1983 in N'Djamena, Chad. The first time I was started to work in the in that association as a volunteer. The association is named the Association des Jeunes pour le Développement du Wadai. So the first that is my biography. When I started, I have been to work as volunteer in that association for more than 6 years, and I grow step by step. Now I am the general secretary of the association, and I represent the association in all the meeting and international meeting and everywhere. So I just come back from just I remind you, I just come back from COP26 in Glasgow. Just come back yesterday and just take rest yesterday, and I have to prepare for that webinar. So I will not take so much time. So I have to present my team. I will present it in French because at the beginning I told you that I will present it in French. So I should continue. The theme is impact, thèmes impact du changement climatique envers les agriculteurs du Wadai. So ce thème a été débattu par de nombreuses par notre association afin de qu'on utilise ça pour depuis de nombreuses années. Les continents sont sous l'effet des changements climatiques malgré les multiples malgré les multiples actions entreprises qu'on mène dans le but de continuer à l'atténuation des impacts du changement climatique. La lutte contre le changement climatique est une problématique que connaissent les pays en voie de développement, plus particulièrement les pays sahéliens, dont notre pays, le Tchad. Situé au cœur de l'Afrique, le Tchad, dont la vaste superficie est de 1 284 000 km², est confronté aux effets négatifs des changements climatiques qui impactent souvent négativement la santé humaine, l'économie et les écosystèmes naturels. Les évolutions climatiques sont sans doute amplifiées par les changements climatiques, font que le Tchad est considéré comme l'un des pays des pays hotspots, c'est-à-dire les pays qui souffrent énormément des effets du changement climatique dans le monde depuis 2010. En effet, la variabilité accrue des pluies rendra de plus en plus difficile la planification agricole des producteurs locaux du cas de la province du Wadai. Au titre des conséquences du changement climatique, on peut noter une mauvaise, entre autres, une mauvaise répartition des pluies dans le temps et dans l'espace, une réduction du potentiel de la productivité agricole, élevage, pêche, une réduction drastique et dégradation des pâturages, assèchement tardif des champs suite à la mauvaise pluviométrie, insuffisance des pâturages dans les animaux, diminution des revenus des producteurs, ensemblement des champs des agriculteurs, dégradation des sols naturels, sols, eau, végétation. Et nous avons entre autres soulevé des techniques d'adaptation prévues au changement climatique pour réduire l'impact aux producteurs. Ces techniques d'adaptation au changement climatique dans le secteur de l'agriculture, nous avons envisagé d'une mise à l'échelle du compostage dans la province du Wadai, utilisation des semences améliorées adapté, un système d'exor solaire comme moyen de mobilisation de l'eau, d'énergie et de diversification agricole dans la province du Watin, utilisation des énergies renouvelables à des fins agro-silvopastorales, gouvernance locale dans les wadis pour l'accès à la terre et à la sécurisation foncière pour les groupes les plus vulnérables dans la province du Watin, cordon pierreux. Des plans B, nous avons aussi opté pour la technique d'adaptation
changement climatique dans le secteur de l'élevage, qui, entre autres, nous avons aussi prévu de faire la culture fourragère, fauche et conservation des forages, délimitation des espaces pastoraux, construction des mares dotées de forages solaires et des dispositifs anti-aérosifs autour des mares pour l'accès à l'eau, abréviation du bétail et eau potable. Il est important et primordial de concevoir et mettre en œuvre les stratégies de communication pour véhiculer autant d'informations, éducation pour faire face au changement climatique. Et ces images, voilà, ces images-là qui prouvent que il y a, dans certaines de ces images-là, il y a des cultures qui n'est pas achevée par manque de pluviométrie. C'est-à-dire dans un village qu'on appelle Batouma, c'est dans la région du Wataï, à Béché là-bas. Et vous voyez, ces plantes ne sont pas grandies, c'est à cause du changement climatique. Ça, c'est entre autres. Ça, c'est l'un de nos investissements qu'on a octroyé aux agriculteurs pour leur permettre d'augmenter leur rendement. Mais vous voyez, grâce au changement climatique, les plantes ne poussent pas. Si vous voyez ici, donc les animaux sont venus ici pour faire le pâturage, mais il n'y a pas de réserve. Ça, c'est au moment de la saison pluvieuse. Ça, c'est en cette année-là, dans cette même année-là. C'est dans les mois de choc. Ils sont venus pour faire le pâturage. Or, la pluviométrie, il n'y a pas beaucoup de pluie dans cette région-là. Il n'y a même pas. Donc, les animaux n'arrivent même pas à brouter par manque de la saison pluvieuse. Il n'y a pas les foins, donc c'est insuffisant de l'eau ici. Et dans cette image, la deuxième image que vous voyez ici, cette image-là, il y a avancement désertique dans le village Wadichok. Ça, c'est les conséquences du changement climatique. Selon le ministère de l'Environnement du Tchad, c'est-à-dire les déserts avancent de 4 km chaque année. Imaginez, dans 5 ans, ça va aller 20 km. Dans 10 ans, 40 km. Et ça, vraiment, c'est un avancement très rapide. Si on ne fait rien, si on ne fait rien, vraiment, la population risque de laisser partir et bien de se dégrader, de laisser sa place. Et voilà, cette image que vous voyez, il y a un paysan qui est en train de démontrer que ce champ a été laissé par manque de moyens financiers et par manque de pluviométrie. Ils ne peuvent plus cultiver dans ces champs, c'est-à-dire à cause de la mauvaise pluviométrie. Ils ont même planté leur plant et ça n'a pas poussé. Voilà. Donc, c'est pour cela que c'est la même année, c'est la culture dans les 2001-2021. Et la deuxième image que vous voyez, c'est ces plantes de piment dans les villages Batoum. C'est-à-dire le piment pousse, mais c'est en petite quantité, pas en grande quantité. En petite quantité, c'est-à-dire que ça ne progresse pas. C'est ça le problème, ça ne progresse pas. Donc tout ça, c'est l'impact du changement climatique. Et la cinquième image, je vais vous montrer, vous allez voir. Voilà, ici, c'est le piment que les paysans ont cueilli, du champ. Et ça ne pousse pas, c'est très petit par manque de l'eau. Et tout ça, là, c'est à cause du changement climatique. Il y a une chose que les paysans ignorent jusqu'à là. Ils ne savent pas que c'est le changement climatique qui constitue la baisse de la production. Donc, maintenant, nous sommes en train de vous demander, vous-même, vous avez vu ce qui est en train de se passer. Ils ont besoin d'une sensibilisation sur les changements climatiques pour bien se travailler ou bien se préparer à faire face au changement climatique. Donc, c'est ça. Et dans cette image, cette mare que vous voyez est en déperdition par manque d'aérosif. Par manque d'aérosif, c'est-à-dire les paysans, ils sont manqués de moyens, ils n'arrivent pas à comment maîtriser l'eau. L'eau des mares. Donc, nous avons aussi décidé, si possible, de prévoir des projets d'anti-érosif pour leur permettre
hein, de stagner l'eau et de venir alimenter leur bétail en eau potable, si possible, de cultiver, de faire la culture maraîchère. Oui. Et la deuxième image aussi, c'est la même chose, c'est manque de réserves pour la population du Watay. Et voilà, en tout cas, je viens de finir, je viens de finir. Thank you for watching. Thank you for watching. And if you have some question, I'm ready to answer. Thank you so much. I'm sorry, again, if you have some question, I'm ready to answer. Thank you. I'm waiting for your question. Je suis à votre attente. Avant toujours le temps, si la personne a une question ou bien des questions à se poser, je suis là pour ça, je vais vous répondre. Et j'aimerais aussi profiter de ce moment pour vous dire que si, par exemple, si les The World's Greens Growth have aussi une question, I'm ready to answer, even in English or French. Okay, I'm waiting for you. Also, next time I will send you my biography. Okay, I have one question. That means that what environment solution you suggest to mitigate risk in the use of water? So, in the use of water, environment solution that we have it, nous avons prévu d'installer des abseurs solaires pour alimenter les villageois en eau potable et en eau conséquente pour améliorer les conditions de l'agriculture. Donc, c'est ça que nous avons prévu de faire. Oui. Et puis, nous avons aussi demandé à certains de nos bailleurs. Voilà, je viens voir votre question. Pour atténuer les risques, il faut absolument une installation d'exhaust solaire et puis un dispositif d'anti-érosif. C'est-à-dire anti-érosif, c'est-à-dire de planter des plantes tout autour des marais pour éviter la déperdition de l'eau, la disparition de l'eau. C'est-à-dire les anti-érosifs, si on arrive à planter ça va protéger l'eau et ça va permettre aux villageois hein, de bien gérer cette eau-là jusqu'à la saison prochaine des pluies. C'est ça. Oui, changement climatique qui impacte voilà, les humains. Voilà, les changements climatiques qui est ressenti par la population du Wada, c'est-à-dire et ils ne peuvent pas adresser directement leur doléance au gouvernement, mais par notre voix, ils adressent leur doléance et nous, on transmettons leur doléance au gouvernement. Mais on a beaucoup écrit à l'État, mais jusqu'à là, l'État tchadien, c'est-à-dire l'État tchadien du Tchad, on a beaucoup écrit, mais jusqu'à là, nous n'avons pas du tout reçu de financement. On a écrit plusieurs fois concernant l'utilisation de l'eau, mais jusqu'à là, la population du Wada n'arrive pas à avoir de l'eau potable. En toute franchise, vous pouvez même vérifier sur Google et puis vous allez voir cette information-là. C'est depuis 2005, 2005, 2000, 2004, jusqu'à nos jours. C'est vrai, l'année passée, l'État a décidé, ils ont fait des petits efforts, mais c'est insuffisant. Insuffisant. Ils ont planté l'État a planté des panneaux solaires dans les wadis Biteha, qu'on appelle Biteha, mais c'est insuffisant. L'eau est insuffisante. Là, c'est juste dans la ville. Mais les villageois, il n'y a rien, franchement, au village, il n'y a rien. Ils sont en train de boire que l'eau des marais, et ils n'ont pas accès à l'eau potable. Franchement, ils sont en train de se souffrir, mais nous, on ne les aide que par les moyens que nous avons. Ils ont besoin aussi de la sensibilisation contre les changements climatiques. Ils sont ignorants. Voilà, entre autres, les conséquences.